So sway with me, don't speak, stay with me. Baby, are you tied up? I wanna know now. Are we gonna stay up? Are we gonna get out this crowd? Sway with me. Both of us kinda shy, but we ain't got the time. Wanna get out. Honestly, I don't care, we can go anywhere. Wanna see out. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver avec Pierre ici depuis la banlieue de Madrid. Nous sommes aujourd'hui à Leganés, dans une ambiance un petit peu champêtre, c'est vrai, dans le stade municipal de Boutarqué, qui n'est pas immense. On va retrouver aujourd'hui le CD Leganés face à Villarreal. Carlos Bacca, il va falloir surveiller de près aujourd'hui. Hein. Un attaquant de bon niveau, comme la Colombie nous en a donné quelques-uns ces dernières années. Pierre, un petit mot sur l'équipe visiteuse. Décevante cette équipe en ce début de saison, elle qui pensait pouvoir se mêler à la lutte pour une qualification en Champions League. Elle est loin du compte pour le moment. Un petit pronostic peut-être, Pierre? Je l'attendais celle-là. Bah, pour moi, ça, je vois pas grand-chose. Les deux formations sont du même niveau. Ça peut jouer sur un coup de pied arrêté cette affaire. Hein. Comme ça, tu vois, je me mouille pas trop. Je vous laisse découvrir la composition de cette équipe de Villarreal. Alors, l'animation tactique, l'entraîneur a opté pour un 3-5-2. Ouais, l'option est mise sur une grosse densité au milieu de terrain et sur la capacité à venir presser l'équipe adverse. L'équipe en pleine confiance qui reste sur un succès à domicile. Une victoire probante, 3-0, mais pour ce match, un nul me paraît plus raisonnable. Alors Hervé, toi qui sais tout sur l'Espagne, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce stade municipal de Boutarqué? Bah déjà, on est à Leganés, hein, parce que Boutarqué, c'est pas le nom de la ville. Leganés, c'est en banlieue sud-ouest de Madrid, comme tu l'as vu lorsque tu es venu avec moi en métro ici. Et ce stade est un des plus petits de la Liga espagnole, mais pas le plus petit, parce qu'il y a Eibar qui est encore plus petit. Alors là, la vraie... Martin Braithwaite, ah, ça se bouscule un petit peu dans la surface avant ce corner. Corner adressé au niveau du point de pénalty. Ouais, bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Ah ouais, ça c'est bien sur l'aile, avec un tir. Ah non, pas très bien exécuté cette volée. Ah, il a mal jugé la trajectoire, forcément ça pouvait pas donner grand chose. Alvaro. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Il faut qu'il centre maintenant. Santi qui sort là. La passe qu'il trouve Martin Braithwaite. Ouais, ça passe très très largement au-dessus. Aucun danger, si ce n'est pour l'aviation civile. Non, elle est interceptée cette passe. Mario Gaspar. Santi Cazorla. Pablo Fornals. Manu Trigueros. Alfonso Pedraza. Les 30 derniers mètres. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Attention à la frappe. Le ballon est sorti. Ce sera un corner donc. Et le tireur qui a Gérard Moreno. Le gardien qui repousse. Ça peut revenir. Intervention du gardien qui évite un but en début de match. Bien joué.
public qui sent bien que son équipe s'en sort plutôt bien jusque-là. Ah, la passe, la frappe. Non, ça ne passe pas, c'est contré par le défenseur. Ouais, on a cru que ça allait rentrer, mais ça passe quelques centimètres au-dessus. Un petit peu, il s'est un petit peu enflammé là quand même, non? Bah ouais, cette distance, c'est pas évident, ça inquiète pas du tout le gardien. Mario Gaspar. Ah, il bascule sur l'aile, histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif qui est très compact. Et l'attaque se termine, ballon dégagé. Et l'intercepte. Braithwaite. Et Rasso. Alors touche longue ou une touche courte, on va voir. Alors comme vous pouvez le constater, il pleut. Attention aux prises de balles pour les gardiens, il faudra peut-être jouer la sécurité, notamment sur les frappes de loin. Buona Alice Amata. Ouais, bonne sortie du gardien. Ouais ouais, fallait y aller sur ce ballon. Hein. Santi Cazorla. Gérard Moreno, et on a dégagé pour écarter le danger. Et corner, non, ce sera une touche. Jonathan Silva. Erasso. Guillaume. Manu Trigueros. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. En profondeur, attention. Il ne prend pas le couloir finalement. Et la voilà, la frappe. Ça a été touché hein, par le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. On a décidé de laisser venir l'adversaire, hein, visiblement. Allez, il faut centrer. Santi Cazorla. Manu Trigueros. Pablo Fornals. Santi Cazorla. Ouais, elle a lutté après pour reprendre ce ballon. Il est un petit peu cerné, là. Braithwaite. Guillaume. Ah, elle sera pour le gardien, cette passe. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Il s'avance vers la surface. L'arbitre qui réfléchit, est-ce qu'il va sortir le carton? Ouais, faute sanctionnée d'un carton jaune. Va falloir faire gaffe maintenant. Là, finalement, ce ballon qui passe tout près. Ça aurait fait un joli but. Erasso. Braithwaite. Carlos Bacca. Pablo Fornals. Alfonso Pedraza. Erasso. Voilà, je sais pas ce qu'il avait en tête. Il a donné ce ballon directement à... Et coup franc, ouais, coup franc.
Avertissement sans frais, hein, finalement, il s'en sort bien. Hein. Si tu veux mon avis, l'arbitre a dû être extrêmement clair avec lui. Hein. Ce ballon qui est intercepté. Oh, il y va tout seul. Un changement de possession, il va falloir se réorganiser. Gérard Moreno. Le tir. Oh là 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 là, ça passe pas loin. C'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu. Chavas. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche. Il s'entrouvert ses partenaires. Ah oui, l'arrêt réflexe du gardien, magnifique. Ouais, tout le monde le voyait dedans, ce ballon, mais finalement non. Et ils sont à la récupération. On va observer quand même la décision de l'arbitre. C'est donc un carton jaune. Hein. Oula, attention, l'arbitre a la gâchette facile. Ouais, ça part très loin avec ce dégagement. Alvaro. Tanté Cazorla. Mario Gaspar. Santi Cazorla. Buana Alissa Mata. Chavas. Santi Cazorla. Oh oui, encore une bonne passe. Gérard Moreno. Pablo Fornals. Aucun problème pour le gardien. Bien anticipé. Braithwaite. Carlos Bacca. Ils sont allés presser l'adversaire pour aller lui prendre ce ballon. C'est remarquablement fait. Alors que le quatrième arbitre indique qu'il y aura 3 minutes de temps additionnel. Ah oui, il reprend le ballon au tout dernier moment. Pablo Fornals. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. Manu Trigueros, Alfonso Pedraza. La passe est mal assurée, c'est une interception. Gérard Moreno. Il est en position pour centrer. Et le duel remporté dans sa surface. Ça y est, c'est la mi-temps. 45 minutes dans ce match, toujours pas de but, 0-0. Alors le Colombien Carlos Bacca est titularisé en attaque. Qu'est-ce que vous diriez de ces 45 premières minutes de jeu pour lui? C'est simple, on l'a presque pas vu, il n'a pas marqué, il n'a pas tellement pesé dans le jeu non plus. Il va falloir qu'il fasse mieux. Hein. Martin Braithwaite. Ouais, ça se bouscule un petit peu dans la surface avant ce corner. Ah ouais, ça c'est bien, sur l'aile, avec un tir. Ah non, pas très bien exécuté cette volée. Ouais, il a mal jugé la trajectoire, forcément ça pouvait pas donner. Santi Cazorla. Il n'y a pas ce qu'il trouve Martin Braithwaite. Ouais, ça passe très très largement au-dessus. Aucun danger, si ce n'est pour l'aviation civile. On est dans une phase de conservation de balles en attendant l'ouverture. Attention à la frappe. Le ballon est sorti, ce sera un corner donc. Ah, la passe mal. La frappe. Non, ça ne passe pas, c'est contré par le défenseur. Ouais, on a cru que ça allait rentrer, mais ça passe quelques centimètres au-dessus.
L'arbitre qui réfléchit, est-ce qu'il va sortir le carton? Ouais, faute sanctionnée d'un carton jaune. Là, finalement, ce ballon qui passe tout près. Ça aurait fait un joli but. Gérard Moreno. Le tir. Oh là 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 là, ça passe pas loin. C'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu. Ils sont à la récupération. On va observer quand même la décision de l'arbitre. Allez, la suite de cette rencontre ici à Butarque, à Leganés. Carlos Bach avec un tir. Le défenseur qui contre ce ballon. Un petit casard là. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ouh, à quelques centimètres. Pas mal fait sur le plan technique. Il a manqué un petit brin de réussite. Ah, il a bien senti le coup, c'est intercepté. Ah, c'est pas fini, ils peuvent peut-être partir en contre. Ah non, le ballon est perdu, cette contre-attaque est terminée. Stanislav Lobotka. On monopolise le ballon d'un côté et dans l'autre camp. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Oh, pas du tout cadré. Non, et honnêtement, vu comment il s'y est pris, ça risquait pas. Hein. Ouais, un bon ballon d'attaque. Un bon ballon qui va peut-être trouver preneur. Il a préféré dégager ce ballon. Voilà Ali Sabata.
Le gardien qui s'interpose sur cette tête. Santi Cazorla. Carlos Bacca. Attention à la frappe. Oh, le but! Le premier but dans ce match! Ah, ça, c'est bon pour la confiance. Maintenant, le mieux, ce serait d'en claquer un autre et se mettre à l'abri, ma bonne dame. Ah, que c'est dur. Que c'est dur d'envoyer le ballon dans son propre but. Je connais pas un seul joueur à qui ça n'est jamais arrivé. C'est vrai que les conséquences peuvent parfois être dramatiques. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Diego Reyes. Erasso. Braithwaite. Allez, on redouble les passes. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Le remplaçant qui est prêt à faire son entrée sur le terrain, devant son public. Oui, ça devrait se faire au prochain arrêt de jeu. Enfin, si le quatrième arbitre ne se plante pas avec ses panneaux. Allez, il a de la place dans le couloir. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Le ballon qui change de camp. Erasso. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Stanislav Lobotka. Santi Cazorla. Gérard Mourinho. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Touche. Mauricio Pellegrino qui va faire entrer un joueur. Oui, on espère bien sûr que le remplaçant entre très vite dans le vif du sujet. Chavas. Jonathan Silva. Moana Ali Samata. Ça circule bien. Ils essaient d'étirer ce bloc. Ah, facile la récupération. Ouais, la passe qui va directement en touche. Stanislav Lobotka. Ah, c'est mal dosé, ça va faire touche. Tiovas. Jonathan Silva. Allez, un centre. Voilà Ali Samata. Oh, le but! Le but de l'égalisation pour cette équipe! Elle a su réagir, c'était pas évident de courir après le score comme ça, mais elle a su revenir à la hauteur de l'adversaire. On revoit ce très beau but de la tête. Ouais, il a le temps de s'élever, de prendre en même temps la formation et après sa technique fait le reste. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Allez, tout est à refaire, un but partout. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Yob. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Ouais, le centre qui ne donnera pas grand-chose. Santi Cazorla. Bon jaillissement sur cette passe. James Mac. Allez, il faut mettre celui-là. Oh, la transversale. Oh, ça y est, le danger qui s'éloigne. Oh, la défense a eu chaud. Il pouvait mettre une option sur la victoire, mais le cadre a décidé autrement. Donc, pas sûr que ça continue longtemps comme ça. Attention. Wait. Ah, la passe en profondeur, attention.
Oh, l'énorme plongeon, il écarte le danger, Pierre. Ouais, il a pu faire admirer son coup d'œil, c'est vrai, mais surtout sa grosse détente. Allez, le corner est tiré au cœur de la... Oh, à côté! Oh, il la met à côté! Oh non, c'est pas possible! Ouais. Enfin, ceci dit, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Hein. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Buana Ali Samata. Bonne interception, hein. Ça pouvait être dangereux. L'équipe à domicile qui devrait... Oh, que c'est bien donné, ça. L'appel de balle et la passe en profondeur. Oh, il a sauvé son camp, hein, sur cette action. Buana Ali Samata. Ah, elle a du... Il y va tout seul. Ah oui, le tir. C'est un corner à venir qui peut donner à cette équipe l'occasion de prendre l'avantage. Il a cherché le point de pénalité. Dimitris Siovas. Ouais, bon arrêt sur cette tête. Arrivé Costa. Un petit coup de chronomètre qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Carlos Bacca. Interception. Le centre était bon, mais le danger est écarté. Stanislav Lobotka. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Oui, ils sont plusieurs, ça peut aller au bout. Le centre qui est contré. Pablo Fornals, Gérard Mourinho, Stanislav Lobotka. Ouais, lumineuse cette passe. Le centre, il a vu ses coéquipiers. Le dégagement pour éloigner le danger. Arrivé Costa, Carlos Bacca, Gérard Mourinho. Et bien l'intervention, changement de possession. Les deux équipes toujours à égalité, la fin qui n'est plus très loin. Ouais, bonne lecture, il intercepte ce ballon. Heureusement parce qu'elle était dangereuse cette attaque. Ouais, le match qui va basculer d'un côté ou de l'autre, que de tension. Et l'arbitre qui signale 3 minutes de temps additionnel. Diego Reyes. Buana Ali Samata. Oh, le ballon qui lui colle au pied, magnifique. Oh oui, il marque. Oh oui, il marque. Le but qui permet d'envisager la victoire dans cette rencontre. Ah, c'est sûrement le but décisif, mais attention à la réaction de l'autre équipe. Parce qu'il reste un tout petit peu de temps à jouer. Les fins de match débridées, on ne sait jamais ce que ça peut donner. Le but qui fait mal, qui fait très mal à l'adversaire. Prendre l'avantage comme ça dans les arrêts de jeu, c'est douloureux pour l'équipe adverse. Et si c'était le but de la victoire, Pierre, tout simplement? Ah, ça y ressemble bien, Hervé. Hein, il reste plus beaucoup de temps. C'est sûr qu'ils ont choisi le meilleur moment pour placer cette accélération. Carlos Bacca. Dernière chance pour égaliser. Ils n'ont plus le choix. La défense qui va devoir être vigilante sur ce corner, c'est chaud dans la surface. Et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Et voilà, c'est fini. Bon, on avait peur au début du match que les conditions météo ne viennent gâcher le spectacle. Et bien, ça n'a pas été le cas du tout.
Alors je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'il a plutôt été bon, hein, dans cette rencontre. Il a vraiment contribué à la victoire de son équipe. C'est tout simplement lui qui a offert la victoire à son équipe. Il a fait basculer le match. Braithwaite. Ah, ça se bouscule un petit peu dans la surface avant ce corner. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Attention à la frappe. Le ballon est sorti. Ce sera un corner donc. L'arbitre qui réfléchit, est-ce qu'il va sortir le carton ? Ouais, faute sanctionnée d'un carton jaune. Va falloir faire. Et ils sont à la récupération. On va observer quand même la décision de l'arbitre. Attention à la frappe. Oh, le but! Le premier but dans ce match! Ah, ça, c'est bon pour la confiance. Maintenant, le mieux, ce serait d'en claquer un autre. Allez, un centre. Voilà Ali Savata. Oh, le but! Le but de l'égalisation pour cette équipe! Ah, elle a su réagir. C'était pas évident de courir après le score comme ça. Braithwaite. Ah, la passe en profondeur, attention. Oh, l'énorme plongeon, il écarte le danger, Pierre. Ouais, il a pu faire admirer son coup d'œil, c'est vrai, mais surtout ça. Ouais, le corner est tiré au cœur de la sur. Oh, à côté! Oh, il l'a mis à côté! Oh non, c'est pas possible! Ouais, enfin, ceci dit, ça s'est pas joué à grand chose. Hein. Buana Ali Samata. Oh, le ballon qui lui colle au pied, magnifique! Oh, il marque! Oh, il marque! Le but qui permet d'envisager la victoire dans cette rencontre! Ah, c'est sûrement le but décisif, mais...